Et salut tout le monde les amis, bienvenue pour cet après-midi incroyable. Non, il est déjà 19h53, il est déjà 20h les amis, c'est déjà l'heure incroyable. Il va falloir qu'on se dépêche alors, parce que si on veut caler notre match, pourquoi? Parce qu'il y a la Ligue des Champions, au pire on coupera à 21h pour garder le match de Ligue des Champions et on reprendra peut-être après minuit ce soir les amis. Voilà le programme avec du coup, ben sûrement sur Discord, on regardera, enfin du moins, je mettra le match de la finale de la Ligue des Champions. J'ai du mal à parler, les amis. Je suis parti trop vite dans le live. D'habitude, je prends le temps de commencer, mais là, je suis parti direct dans le feu parce que je viens de voir l'heure. J'étais persuadé qu'on était une heure de moins. J'ai l'impression qu'on a retourné le temps une heure avant. Donc, du coup, je vais faire la demi-finale de Jean-Roland Garros, les amis. Jean-Roland Garros, d'ailleurs, bravo pour la Pologne hein, qui s'est imposée incroyablement. C'était compliqué pour elle. Mais elle a fait au mental et elle va gagner Roland Garros pour la deuxième fois consécutive. Donc let's go, et nous on va de notre côté, bah écoutez, nous aussi on va essayer d'atteindre la finale de Jean-Roland Garros les amis. On va regarder de suite là où on en était, puisque du coup on s'est imposé hier un petit peu difficilement, il a fallu le tie break, mais bon en 3-7, on n'a pas perdu 7 pour le moment depuis le début. Mais attention, ça va se corser parce que là on va taper la tête de série numéro 2. Hop, et on va regarder où on en est. Du coup, on va affronter Jeannie Lin, les amis. Jeannie Lin. Moi, en gros, je sais pas trop. Lin, on verra. En tout cas, Jeannie Lin, la tête de série numéro 2. Et attention, de l'autre côté, ça sera Chan contre Lamar. Là aussi, ça sera du tête de série numéro 3. Tête de série numéro 4. Pierce, qui a été tête de série numéro 1, qui a été éliminé par Jeannie Lin, les amis. Donc, attention, les amis, ça va pas être facile du tout. Et salut mon Nico! Bonsoir! Comment il va le Nico? Mais ça va très très bien mon Nico. Un peu fatigué, je vais pas te mentir que cette journée, je me suis endormi sur le live hier de Psycho. Pourtant, je me suis réveillé à 8h, j'ai regardé un peu la G-League ce matin. Et un petit peu somnolé la journée, hein. J'ai eu un peu de mal, peut-être parce qu'il fait chaud ou pas. Pourtant, j'ai regardé un petit peu la finale du tennis. Voilà, je me suis concentré sur regarder la finale du tennis. Il était déjà 18h, la journée est passée. Comme un claquement de doigts. Allez, on va jouer cette finale, on va pas trop perdre de temps, cette demi-finale, pardon. Est-ce qu'on va réussir, voilà, on a encore les Français en lice, les derniers Français en lice de ce Roland Garros. Est-ce qu'on va réussir, les amis? Est-ce qu'on va réussir à aller en finale? Est-ce qu'on va réussir à faire une Yannick Noah, les amis? Mon Nico, comment ça s'est passé, toi, ta journée? Et attention, Jeannie Lin, l'Américain. Attention, il n'y a quasiment que des Américains en finale. Hein. Les Américains qui dominent ce tournoi masculin. J'ai traîné hier soir, je suis rentré sous la pluie, un bon 40 minutes de marche pour accompagner une jeune fille à un arrêt de bus. Comment s'appelait cette jeune fille? Peux-tu prénommer cette jeune fille? Ouais, attention, bien joué. Oh, il a fallu la chercher. Et du coup, levé à 10h, ça va top, mais je m'endors là. Bah là, ça va t'endormir là, tu vois. Je vais finir de t'endormir avec ce jeu de tennis. Surtout si on parle comme ça. Français qui va servir. Ça va être une deuxième balle. C'est comme ça qu'il commente un peu au tennis. Bien que j'apprécie beaucoup la commentatrice ou la commentateuse ou la commentatrice de France 2.
Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est dommage. On a peut-être une passion commune pour le sport et pour le commentateur. La commentation, enfin voilà, c'est. Voilà, la vie est ainsi faite. Je resterai derrière mon PC, mais je peux streamer. Donc moi aussi, je peux réaliser ce rêve de vous commenter ce match. Ah non, mes vacances ressemblent à la vie de Jambon. Ah ouais, c'est. Ah, c'est. Voilà. Hé, hey, Jambon, il est en vacances là ou il taffe? Commentatrice. Commentatrice, hein, c'est un peu compliqué à dire. T'es en vacances là, mon Nico? Ouais, voilà, de suite là, on le laisse pas respirer. On sait jouer notre jeu, c'est un petit peu comme hier. Ah, il est en vacances, il reprend mercredi, je crois. Non, il dit pas qu'il t'a fait lundi, mardi, mercredi. J'ai pas compris son message, attends, faut que je revoie son message. Mais là, il dit un truc comme quoi il reprend. Et toi, tu reprends mardi. Ouais, t'as un petit week-end là. Ok, Aliana qui est bientôt en vacances. Je me demande s'il est pas en vacances ce soir, s'il était pas en vacances depuis vendredi. On a une semaine ou deux là. Et après, elle reprend que fin août ou début septembre. Ah oui, j'ai pas oublié. Alors, il y a la finale de Ligue des Champions, mais j'ai pas oublié d'ailleurs si elle raid à 9h. Je lirai la raid parce que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, le match, je le reprendrai ce soir. Si jamais je le termine pas, je le reprendrai vers minuit. Mais oui. Et à la finale de la Ligue des Champions, et oui, en effet, il y a Nanou. C'était Nanou qui était prévu, mon Nico. Donc, moi, à 9h, je coupe le stream. Et de préférence, je raid. Ouais, voilà. Petit raid, tranquille. Voilà, ça c'est fait. Elle commence à 21h, Nanou. Oh, c'est bien joué ça. C'est coup droit. Ouais, non, on fera comme hier, comme Saiko. C'est prévu. Après, j'aurai un oeil quand même sur la Ligue des Champions et sur Nanou. J'aurai un oeil sur les deux. Il me semble que c'est 9h. Après, si c'est 20h30, bah du coup, c'est pas grave. Pareil, on raidera à 20h30. Et ouais, les 1 an de la chaîne de Nanou. Ah, merde! Ah, merde, elle a mis 20h. Bon, tu me dis, ça démarre, hein. Je vais essayer de faire le premier set au moins. Au moins faire le premier set. Ah! Allez, on va essayer de. Bah, après, je vais pas. C'est pas grave si je l'arrête pas non plus dans les premières minutes. Le temps qu'elle dise bonjour et tout, je viendrai faire le raid peut-être une demi-heure après qu'elle ait commencé son live. Donc, si elle commence à 20h, on ira à 20h30, c'est pas très grave. Ah là là, attention! Ah, il faut y aller en finale, mon Nico. En fait, j'avais peur d'être trop fatigué ce soir, de faire tout le match en entier. Parce que je sais que j'ai les yeux qui piquent après le soir. Aïe, aïe, attention! Ouais, vers 21h. Attention, je me fais breaker là. Attention. Balle de break. Pour l'américain. Se faire breaker d'entrée de jeu là, ça va pas être bon. Allez, bien joué. Une de sauvée! Ouais, l'américain qui est plutôt bien classé mondialement. Là, on a un vrai rock en face de nous. Et salut, Mordan! Comment il va, le Mordan? Ouais, on ira vers 20h45, sinon on verra un peu. En tout cas, on va chez Nanou, les amis. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, il y a 20h45, 21h, il y a la Ligue des Champions. Et donc, du coup, de toute façon, si on peut dire bonjour à Nanou, ce serait quand même cool. Donc, dans l'idéal, un petit entre 20h30 et 20h45 chez Nanou, ça serait plutôt idéal. Et attention, nouvelle balle de break. Et un match incroyable! Incroyable Angélique ce matin, les amis, entre le Yokohama et j'arrive plus à me souvenir le nom de l'équipe jaune là, qui avait déjà tenu en haleine, qui avait rendu la tâche compliquée à l'équipe de Iniesta. Ils avaient fait un partout. Mais là, bravo, franchement, très beau match 4-3. Vraiment un match de fou. Ils étaient menés 1-0, ils sont revenus un partout, puis ils sont menés 2-1, puis ils mènent 3-2, puis finalement ils perdent 4-3. Mais vraiment, quel match! Quel match! Franchement, je me suis régalé ce matin. En plus, à 9h, je pense que les matchs à 9h, c'est parfait. Parce que se lever à 7h ou 8h, c'est un peu compliqué le samedi. Hein. Mais par contre, se lever à 9h, c'était parfait, mon Ordan. Allez, on a réussi à. Oh, attends, je sais même pas regarder, les gars, si j'ai réussi à. Ouais, j'ai gagné, mon gars, c'est bien joué. Allez, maintenant, ce serait bien de le breaker. Maintenant, on a un peu galéré sur notre service. Et l'Américain qui sert fort un petit peu comme. Ah, t'as pas eu la force, Mordan. Ah, ouais, non, mais je comprends à qui tu le dis. Mais du coup, c'était vraiment cool. Puis on a pu regarder Sentinel. Alors, là, l'Américain qui nous fait mal sur son jeu! L'Américain qui fait très mal, attention, jeu blanc. Oh, attention, au fond de cours, on galère un peu. Allez, voilà.
Et on reprend le dessus. Allez, nous sauver. Ah, t'as bien le droit, Mordane. Hein. C'est la première fois que je te vois craquer, mais... Comme quoi, t'es humain, toi aussi, Mordane. Allez, de te sauver. De te sauver. Allez, 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 les amis. Et pourquoi pas maintenant? Et pourquoi pas? L'Américain, ça encore une fois, mais en difficulté sur ses retours. Allez, let's go, l'égalité. Alors qu'on était parti sur un jeu blanc, on lâche rien. Ça y est, on montre le mental. On n'est pas Benoît Paire, les amis. On n'est pas Benoît Paire, regardez ça. On est en train de s'amuser. On s'amuse. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'après-dit? C'était quoi l'après-dit Attends, et let's go. Let's go, on a breaké, les amis. On a breaké. Let's go. Et bah du coup, bah ouais, bah c'était validé. C'était quoi? C'était... c'est passé, pas de perdant. Ça a fini en 3-7, c'était ça. Et bah ouais, bah oui, ça, du coup, ça a fini en 3-7. On a fait un tie-break. On est passé par un tie-break, mais on a fini en 3-7. Allez, let's go, les amis. C'était oui, du coup. Il y a du monde qui avait validé oui. Pour le moment. Tout le monde a mis oui. Personne sur nous. Ah bon, bah tant pis. Bah, tout le monde récupère sa thune. Tout le monde avait confiance en moi. Bravo en tout cas. Le résultat des prédictions est oui. Vous récupérez votre thune, les amis. Statu quo. Allez, ça c'est pas mal. Ah, dommage, pourtant, elle pouvait manger la ligne. Ah, 10k quand même, les gars, vous étiez sûrs, mais il est grave confiance en moi. Hein. Mais bon, il impressionne, le Guigui. Le Guigui Rogers, 4-1, les amis, 4-1. 4-1 sur ce premier set. On va peut-être finir le match. Et si on finissait le match avant le raid de Nanou? On sait jamais, attention, parce qu'on est quand même sur le numéro 2 mondial, les amis. Hein. C'est le numéro 2 mondial à qui on a affaire. Ah, dommage, le filet. Let's go. Let's go. Let's go, les amis. Oh, la chance. Oh, la réussite. Oh, la réussite. Et deux balles de break, les amis. Deux balles de break. Oh là là, ces retours, ils sont incroyables, ces retours. Ils sont incroyables, les amis. Allez, on peut finir ce set, là, de suite. On va pas le laisser souffler. Regardez-moi ça. Oh, c'est facilité. Oh, la facilité, les amis. Attention, la nonchalance. Attention, on va payer notre nonchalance, les amis. Oh, la réussite. La réussite est incroyable. 3 balles de set, les amis. Oh là là, la réussite, elle est vraiment affligeante. Premier set, les amis. Un jeu à 0. Allez, 6-1 pour le premier set, les amis. Rogers, Slin, 6-1. Petite journée repos tranquille. Allez, franchement, c'est une journée repos tranquille, les gars, aujourd'hui. Hein. Franchement, rien foutu. Je suis voulu aller à la mer, je suis même pas allé, les gars. À la base, je devais. Finalement, j'avais oublié qu'il y avait la finale de Roland Garros. Enfin, des filles. Je me suis dit ça va être lié en une heure. Généralement, une expédition en deux fois en moins d'une heure. Je me suis dit ça allait durer moins d'une heure. Et finalement, elle a bien résisté à la Russe. Et il y a la finale de la Ligue des Champions. Exactement, les amis. C'est pour ça qu'on va aller raid Nanou. Et après, nous, on regardera la finale de la Ligue des Champions. Je pense que comme il y a Nanou qui stream pour avoir un nez sur les deux, je pense que je vais regarder la finale sur l'ordinateur. Et donc voilà, comme ça au moins, je reviens... Peut-être que je la... Voilà, on sera un petit peu œil sur les deux, œil sur Nanou, œil sur la finale de la Ligue des Champions, les amis. Il faudrait que je me fasse aussi à manger. Les amis, 6-1. Est-ce que Nanou, elle a commencé son live ou pas? On est là depuis 14 minutes, les amis. 20h06. Est-ce que Nanou est en live ou pas? Mon cher Nico, mon cher Ardan. Et la finale de Coupe de France de futsal sur Sport en France. Eh ben, let's go aussi, Ardan. Incroyable. Et franchement, bien. Alors, par contre, pas cool. Pas cool pour de mettre la finale de la Coupe de France le soir de la finale de la Ligue des Champions. Pour les gars, à mon avis, ils doivent tous aimer le foot. Alors moi, je t'avoue que ça me saoulait de jouer un soir où il y avait un gros match.
C'est motif, voilà. Là, c'est franchement, c'est pas cool du tout. Pas cool du tout. Ah, ça, c'est un carton, ça. Attends. Attends, on va rester concentrés, les amis. Voilà. Oh là là. Et là, on est en train de... L'Américain, on est en train de l'éclater. Bill Clinton doit être dans les parages, les amis. À mon avis, Bill Clinton, il doit regarder le match. C'est comme André Agassi contre Grosjean, là. À chaque fois qu'il y avait... Il y avait Bill Clinton dans les tribunes. Agassi se mettait à perdre. Voilà, les amis. Ah, très mauvaise idée. Allez, break d'entrée de jeu. Oh là là, c'est un truc de ouf. On break... Break sur break. Là, l'Américain qui n'existe pas. On est en train de donner une leçon de tennis, les amis. Oh là là. Mais c'est incroyable, ça fait 3 fois. La réussite est totale, les amis. Ah merde, j'ai mis encore le truc de pop quiz. Attends. Pop quiz, c'est fini. C'était hier, ça. On s'amuse, les amis. On s'amuse pour le moment. Allez, attention, restez quand même concentré, mais pour le moment, là, l'Américain qui... Allez, un ace, le premier ace, le deuxième ou le troisième. J'abuse. Mais bon, en tout cas, le premier de ce jeu, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas ace. Allez, il en met deux de suite. Attention. Ah, le retour! Le retour passing! Incroyable, les amis. Ah, là, par contre... Ouais, mais bon, on va quand même aller chercher. On va quand même le chercher. Oh, ce mental à rude épreuve, les amis. Ouais, par contre, je suis pas sûr de pouvoir aller regarder demain, Mordan. Parce que demain, malheureusement, je vais peut-être travailler demain matin. Ah, si jamais, c'est bien noté. Et voilà, on va se retrouver avec une balle de break, finalement. Ouais, celle-là, par contre, compliqué. Toujours égalité. Allez, là, c'est pour plier le match. C'est pour plier le deuxième set. Voilà, mais on... On est incroyable quand on s'ouvre l'angle, les amis. Allez, faut juste lui faire un bon retour, là, et d'aller scorer cette balle de break. Il faut pas laisser passer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que il nous facilite notre jeu, parce qu'il vient pas au filet comme hier ou avec ses balles courtes. Et là, on domine complètement, il fait notre jeu. Là, franchement, on va encore le breaker. Ah, c'est incroyable, il a la tête dans le guidon, là. Lin, il est en train de courir dans tous les sens. C'est compliqué pour l'Américain. Ah, qui est en train tout simplement de subir la loi du français. Regardez-moi ça. C'est trop facile. On dirait un poussin. On dirait un débutant, les amis. Oh là là, et en plus, on a la réussite. Oh là là, ça doit être infernal. Ouais, carrément, si j'étais levé. Bah, vas-y, let's go, Nico. Bah, écoutez, si je suis dans le coin, les amis, de toute façon, n'hésitez pas. Le Discord est bien sûr ouvert à tous. Bien entendu, même mon absence. Ah, mais ça, c'est cool, franchement. C'est moi, je 7-8 heures et tout, et compagnie, c'était compliqué. Oh là là! Oh là là, le même! On lui remet la même! Oh là 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 là, cette demi-finale, elle tourne vraiment... Oh là là, bon, soit on a progressé dans la nuit, soit vraiment l'Américain, il est pas dedans du tout, là. Oh là là, mais l'Américain, il est vraiment en retard sur tout. Ah non, mais franchement, oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais. Du coup, comme c'est au Japon, pour économiser un petit peu l'électricité, la chaleur et tout, pour éviter de les tuer, ils les font jouer en fin d'après-midi ou la nuit. C'est comme nous, quand on faisait le ramadan et qu'on allait jouer plutôt en fin de journée ou dans la nuit, qu'on évitait de jouer à 14h. Je crois que ça nous était déjà arrivé, c'était pas de bonne idée. Oh là là, franchement, hier il montait au filet notre adversaire. Il nous mettait vraiment en difficulté avec des balles courtes et tout. Il variait les jeux. Là, franchement, là, l'Américain, il est vraiment en train de subir. Hein. Mais clairement, il est. Ah, il est pas au niveau. Il est pas au niveau d'une demi-finale de genre Roland Garros. Regardez, c'est revers. Regardez-moi ça. C'est les mêmes. On fait la même. Et on a déjà. Hey, on est à 5-0. On est en train de lui mettre un jeu blanc, les amis, là. On est en train de lui mettre un set blanc, 6-0. 6-0, les amis. 6-1, 6-0, mais incroyable. Regardez, on est quoi, ça fait que 20 minutes qu'on est en train de jouer, les amis. On en est même à combien de temps d'effectifs? On a 9 minutes de jeu. 9 minutes de jeu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, autant le quart de finale était beaucoup plus disputé. Il a fallu un petit peu s'arracher parce qu'on a eu de l'adversité, mais autant là. Et salut, Arjana, comment ça va? Comment ça va, Nelly? Hello, tout le monde. Par contre, quasi sûr, je ne serai pas levé, là. Je ne serai pas levé à 9h.
Ah, mais peut-être celui de 11h, en tout cas. Mais on verra demain, les amis, si on sera pour la G-League. En tout cas, ce match qu'on a vu, et ça fait plusieurs matchs où les scénarios sont assez incroyables. Et très, très beau match, en tout cas. Comment elle va, Erjana? Ça fait vraiment plaisir, les amis, d'être avec vous. Il joue en journée, printemps et automne, il joue 90% en journée, économie de Lupiote. Voilà, comme ça, au moins, et c'est l'été qui joue le soir. Mais c'est ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ils ont tout compris, les Japonais. Ils sont muy bien, et tout, comment est-ce? Comment ça s'est passé la journée, du coup, Nelly? Et là, les gars, sans déconner, on a le temps, on s'est gagné du temps finalement en éclatant là le truc. On peut se permettre de ralentir un peu, mais on n'est pas loin de jouer une finale de Roland-Garros demain, les amis. Si jamais il y a une finale de Roland-Garros, j'essaierai de la streamer vers 13h. Pour que ça soit avant le match de Djokovic. Je crois que c'est 15h demain. C'est 15h demain? Ah, je suis large de ouf là. Ah non, mais je pensais pas que j'allais. Parce que hier, il a duré 1 heure, hein, il a duré plus d'une heure le match, hein, il était disputé. Je crois qu'on a fait 6-4, 6-3, 7-6 hier. Donc c'était plutôt serré, on a fini sur un tie-break. Et il aurait pu nous manger et nous faire jouer un set de plus. Allez, première ace pour l'américain. Allez, pourquoi pas se réveiller sur ce troisième set. On va dire que pour le moment, il n'a pas encore économisé, il n'a pas encore gaspillé beaucoup d'énergie. Et encore une fois, il va se faire un petit peu balader. Ah, les retours de service, ils sont mortels hein, pour l'américain. S'il n'arrive pas à mettre la première, généralement, il est vite en difficulté. Il est en difficulté de la même façon. Il n'arrive pas à trouver la solution, il se jette dans la gueule du loup depuis le début. Et voilà, et là, c'est trop tard. Quand ça accélère et qu'il y a une ouverture, elle est encore une balle de break dans tes jeux. Oh là 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 là. Et le français qui s'amuse. Qui s'amuse. Et break d'entrée de jeu encore une fois. Oh, le numéro 2 mondial qui n'existe pas dans cette demi-finale, les amis. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. C'est une facilité déconcertante, c'est limite gênant. Ah, j'ai l'impression d'être dans un sketch des inconnus, les amis. Ça arrive pas souvent sur la District TV, hein, je vous le dis. Il n'y a même pas besoin de forcer. Ah voilà, pour une fois. J'ai dit, on n'a même pas besoin de forcer sur les. Alors qu'hier, il fallait quand même forcer un peu sur les services là. Il n'y a même pas besoin. Il n'est pas dedans. Il doit avoir une tourista, les amis. Il doit y avoir un Covid ou quelque chose comme ça là. C'est pas possible que l'Américain soit autant à la ramasse comme ça sur une demi-finale de Roland Garros. Allez, son ace. Allez, au moins sur les aces. Il arrive à en caler quelques-uns. C'est que comme ça qu'il arrive à marquer des points, malheureusement. Et s'il ne le marque pas, derrière, il a. Ah! Ah, la petite erreur. La petite erreur. Voilà, et par contre, quand on arrive à se mettre sur un revers ou sur un coup droit, ça part directement une force phénoménale, les amis. Oh, ça sent la finale demain. Ça sent qu'on va faire du karaoké sur Yannick Noah encore. Il n'y a que sur les aces. Allez, il va peut-être marquer son premier jeu depuis le premier set. Eh ben non, parce qu'à chaque fois qu'il y croit, on arrive à sortir un coup droit magique. Et un passing. Allez, bien joué là, il reste bien. Là, c'est pas mal, mais c'était pas mal, mais ça, c'est insuffisant. Les balles de break encore. Et voilà, sur cela, là, on s'amuse. C'est notre jeu. Il fait notre jeu. Oh, et encore, en plus, on a de la réussite à chaque fois. Franchement, on a eu juste un coup qui est pas passé, mais. Il y a tout qui passe là, vraiment. Je dirais même, il y a tout qui passe. C'est ça, c'est pour aller avoir la Ligue des Champions et le raid de Nano alors, les amis. Moi, j'aurais pu finir là. Allez, voilà, let's go! Let's go, les amis! 4-0, hein. 4-0, 6-1, 6-0, 4-0 pour le moment. On est en train de terminer le jeu. Je suis désolé pour le manque de suspense, les amis, mais on avait envie de créer une petite finale demain aux alentours de 13h. C'est à quelle heure la finale demain? Je vais quand même regarder. Ça dépend de quelle heure elle est la finale. Parce que si la finale est à 13h. Généralement, les garçons, ça commence un peu tôt. Finale Roland-Garros.
Sainte messieurs, elle est à quelle heure? Elle est à 14h30. Ouais, donc du coup, faudra peut-être pas trop tarder, hein. Faudra vraiment le faire à 13h max. Faudra pas tarder du tout. Allez, let's go. On finit ça tranquille et après on let's go, on y va. Hop. Ah, il est que l'adversaire ou quoi? Il a mangé des patates. Ah ouais, mais je vous avoue, là, il est à la ramasse. Les gars, vous dites quoi pour ce soir si vous regardez la Ligue des Champions? Ardan, résultat un petit peu ce soir? J'avoue que pour ce soir, je vois quand même Manchester City favori, mais attention, ils ont jamais gagné la Ligue des Champions et c'est pas évident de gagner une première compétition. La dernière équipe qui l'a fait, c'était Chelsea en 2012. C'était il y a plus de 11 ans. City favori, mais attention, attention l'Inter, les amis. Attention l'Inter, de toute façon, on verra très bien. Tout peut arriver. Vous avez craqué contre Chelsea la dernière fois. Hein. City. Alors que Chelsea était peut-être cinquième du championnat. Alors que c'est City le dominé. Là, pour le moment, je pense qu'on va. Si on est concentré jusqu'au bout. Ah, il y a un petit ice. Faut juste essayer de récupérer. Bon, quand il met des ice comme ça, là, c'est impossible à aller chercher, mais. Par contre, quand il a fait cela. Oh, pas mal, pas mal. Attention l'américain. Attention l'américain, là. Sans pas se déconcentrer. Par contre, cela. Allez, on va avoir une nouvelle balle de break. Une nouvelle balle de break, là, pour 5-0. Ce sera déjà la troisième dans. Allez, bien sauvé de la part de l'américain. Qui en sauve une, c'est peut-être la première qui sauve depuis le début de la compète. Hein. Allez, il va peut-être se faire un jeu. Ah ouais, mais c'est sans compter. Sans rendre ça. Ah, petit lumine dessus, mal joué. Ah, c'est mal joué. Allez, premier jeu encaissé là, depuis un petit moment, depuis le début de la partie, tout simplement. On avait enchaîné quasiment 6, 12, 13, 14, 15, 16 jeux consécutifs, le quand même. Hein. Il a pris 16 jeux consécutifs, l'américain. Allez, attention à ne pas nous faire la même exploit, mais tout est possible maintenant. 4-1. Pour le moment. Voilà, c'est bien joué de la part de Guigui. Encore une fois, il est important de marquer les deux premiers points. Enfin, les 30 premiers points, du coup. Let's go, Love! Merci beaucoup pour l'abonnement! Merci beaucoup, Love, pour l'abonnement. C'est super gentil. Désolé, j'ai voulu monter le son, mais ça a remonté le son du jeu. Merci à toi! Coucou Rapido ici, et ben on est presque à on est presque à la fin de cette demi-finale. On mène 6-1, 6-0, 4-1 dans le troisième jeu. 30-0 sur notre service. Et même 40-0. On n'est pas loin d'aller chercher 5ème. Pour se qualifier pour la finale de demain, les amis. On va peut-être gagner Roland Garros, les amis. En tout cas, tout est permis quand on sort le numéro 2, les amis. Ah, merci à toi, Love. Merci beaucoup à toi, sincèrement. Merci beaucoup. Allez, on a changé de côté 5 à 1. Merci beaucoup, franchement, pour ces petits mots-là. Ça fait du bien, ça fait du bien dans ces moments-là. Pour la G-League, je viens de regarder jusqu'à la fin août. Pour le moment, les matchs sont au coup d'envoi après 11h, donc en soirée locale. Sauf le Sapporo qui programme certains matchs à domicile avant 11h. Ah ouais, 6h et 7h, ouais, parce que eux, ils ont leur toit. Donc, quoi qu'il arrive, ils jouent avec l'électricité. Ouais. Et parce qu'il fait moins chaud à Sapporo aussi. Ok. Mais ils ont nécessairement le toit fermé, je crois, le Sapporo. Ils peuvent pas l'ouvrir, je crois. Mais ça va très bien, toi. Fayot. Ostara, let's go, Ostara, comment tu vas? Coucou ici, des bisous. Merci beaucoup, Ostara, aussi, de venir faire un petit coucou. Merci beaucoup, les amis, de venir soutenir. Venir soutenir, pourquoi pas, peut-être. On a 2 points. 2 points du match de cette demi-finale, les amis. Oh, c'était beaucoup plus disputé hier, mais là, on a survolé. Balle de match. 3 balles de match, les amis. 3 balles de match. 3 balles de match, les amis. Allez, pour une finale de genre Roland Garros. Ah, ça fait longtemps que les Français. Ça y est, let's go. La finale, les amis.
Et ça, c'est depuis qu'il y a Ostara, les amis. Elle nous a porté chance, les amis. Let's go. 82 à 28. Oh, incroyable. Incroyable, les amis, mais let's go. Ouais, leur domaine est fermé permanent, donc ouais, ils ont aussi un deuxième stade occasionnel qui est ouvert. Ah, ok, ils peuvent jouer avec à l'extérieur, du coup, ça c'est cool. Enfin, une personne qui va reconnaître ma valeur, mais bien sûr, elle est incroyable, Ostara, elle est incroyable de soutien. Un petit saut, les amis, vous savez quoi, on va faire un petit saut pour Dwight, les amis. Hop. Pour ceux qui connaissent pas Dwight, la commu d'Ostara et de... Et de Love Parish. Je l'ai mal écrit. Je l'ai mal fait. Ah putain, à chaque fois je le mets. Est-ce que tu peux me faire. S'il te plaît, Love, s'il te plaît. Fais-moi un saut pour la maîtresse. Et merci pour l'abonnement cadeau. Mais incroyable, incroyable. Vous avez vu ça, c'est pas beau ça. Et GG pour la qualif en finale, les amis. On est en finale. Et on a plié le match. Alors hier, ça s'était terminé en 6-4. 6-3, 7-6 avec un tie-break. Là, cette fois, on a pas... Ah, et là, il est bien fait, les amis. Ah, mais tu l'as fait pour Ostara. C'était pas pour Ostara, c'était pour Dwight. Dwight 20, mais j'arrive jamais à l'écrire Dwight. Ostara, elle stream pas, je crois. Elle stream pas. Non, il était bien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Dwight, alors, du coup? Pourquoi ça bug? Attends, il y a un problème avec Dwight, là. Ça me fait peur. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait flipper, ça. Généralement, quand il y a un saut qui marche pas alors qu'il est bien écrit, qu'est-ce qu'elle a fait, Dwight? Elle y est plus? Putain, j'arrive pas à la retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé, là, les gars? Oh, c'est pas... J'espère que... Attends. Ni, il y a le tir à la fin. C'est le tir à la fin qui manque. C'est ça. Putain. Eh, hey, on a exactement le même nombre de followers, Dwight et moi. Ah, c'est incroyable. Oh, c'est grave mignon. On est à 506, toi, elle et moi. Oh, c'est... C'est tellement chou, les amis. hop là, on refait le saut, du coup. Donc, saut, do, hit, voilà, let's go. Et avec le petit tiré à la fin, je crois que c'est ça. Let's go! Là, on a réussi. Il y a le tir à la fin pour la dédicace. En tout cas, let's go. Maintenant, on n'a plus le droit d'emplir les piscines, donc du coup, je peux pas faire de stream. Ah bah. C'est une très bonne réponse, Ostara. En effet, s'il n'y a pas de piscine, à quoi sert ça? Ça sert à quoi de streamer, les amis? Ceci dit, je suis pas sûr que Love Paris, il aurait peut-être kiffé. Je pense à l'arrange qu'il n'y ait pas de piscine. Hein. Eh, c'est chaud, les gars. On peut plus avoir de piscine. C'est chaud. On est dans un monde où il faut faire gaffe maintenant. Faut faire attention à tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben les gars, comment on a gagné? On a gagné notre demi-finale, on est en finale demain, donc ça veut dire que demain, aux alentours de 13h, on va faire un before la finale entre Djoko et... Ah, après j'arrive pas à savoir, moi avec la finale de Djokovic contre... J'arrive pas à me savoir son nom à chaque fois. Pourtant je l'ai fait jouer tous ces matchs. Attends, c'est quoi la finale? Gasper Rude. Oh putain, j'ai eu du mal. Voilà, c'est bon. J'ai pas besoin de revenir. Donc du coup, Rude contre Djokovic, les amis. Donc ça sera le before ensemble, les amis. Ah si, moi, je veux bien qu'elle fasse YouTube, les gars. Ouais, parce que ça, c'est, ça ramène de... Je sais pas, mais écoute, ça lui plaît. Le plus important, c'est que Ostara soit d'accord. Si elle veut, dans ce cas-là, Gasper Rude. Merci à Ardan. Petite habitude ici. Là, là, ça commence à chauffer, les amis. Ça commence à chauffer. Eh, les amis, on va refroidir tout ça. On va refroidir. Comme on est en demi-finale, les amis, eh bien, on va, comme le veut la tradition, on va faire un karaoké sur du Yannick Noah, les amis. Et depuis le début, eh bien, vous avez vu la victoire. Eh bien, on va faire ça. Alors, attends, on avait fait quoi? Il y a quoi qu'il a fait attends. Hit. Attends. Tube, Yannick Noah. Ça va finir en saga Africa, ça, les amis. La saga Africa, je me la réserve pour la finale. Tac, 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 tac. Ah, la voix des sages. Let's go. Karaoke, la voix des sages. Allez, let's go. Attends, est-ce que j'ai le truc pour le karaoke quand même? Parce que ça soit un petit peu moins pourri pour vous, les amis. C'est incroyable. Sinon, comment ça se passe? Comment s'est passée votre journée, les amis? Vous qui venez de faire coucou, de toute façon, on va pas trop tarder. On va aller faire un raid chez Nanou. Est-ce que Nanou, elle a commencé à stream? Nanou qui pète, c'est un an de chaîne, les amis. Nanou qui pète les 1 an, ça c'est incroyable ça aussi, les amis. Let's go, moi j'ai le karaoké. Est-ce que j'ai ça? J'ai le truc juste qui doit s'ouvrir.
Attends, on en est où? On en est où, les amis? Désolé, j'ai perdu vos messages. On a des petits problèmes techniques, mais c'est la district, les amis. C'est la district. On en est où? Alors, du coup, petite habitude, moi aussi, je vais lancer ton biotype. Je vais devenir Amuro. Eh, franchement, Amuro, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un concept. Eh, y a des gens qui aiment bien les gens qui ont des petits trucs potelés comme toi et moi. Il veut me vendre. Vous êtes témoin, on sait tous comment ça s'appelle. Ah oui, ça, c'est. Ouais, c'est un carton rouge. Il a fait d'autres chansons, Yannick? Ouais, je crois qu'il en a fait d'autres. J'ai dépouvante Lurquin. Merci Arlequin, let's go Arlequin aussi qui est en train de streamer, les amis. Tu as le droit de me donner 10 000 coups de fouet. Oula, ça va mal finir ces histoires-là. Ça va mal finir ces histoires, les amis. L'énigme du Perforas. Eh, je te fais l'énigme du Perforas. Vous restez pour la chanson, je vous fais l'énigme du Perforas dans la foulée, let's go. Et après, on va chez Nanou, les amis. Est-ce que ça vous en fait comme ça? Allez, je vous fais le petit karaoké, obligé. Hop, on est là. Ok, alors est-ce que ça m'entend? Attends, ça marche pas. Oui, ça marche, c'est bon. Let's go, on a le karaoké. Let's go. Hop. Allez, petit karaoké, les amis. Petit karaoké des familles pour Yannick Noah pour fêter la victoire. La finale qui aura lieu demain déjà. Ça, c'est bon, c'est cool, c'est cool. Quand je ne crois plus à mes rêves. Quand je vis ceux des autres, quand souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres. Et quand j'oublie ce que je crois, ils me redonneront la foi. Alors j'entends la voix des sages et je chante. Je chante avec eux. Oh Sarah. Oh Sarah. Ah Dakota. Oh Nikoko. Quand l'amour n'est plus qu'un devoir, ou quand mon regard se détourne, quand je préfère ne pas savoir, ou quand mon âme devient sourde, et quand j'oublie ce que je dois, me remontre la voix, alors j'entends. J'entends la voix des sages et je chante avec eux, tous ensemble. Oh Sarah, Love Parish, I'm Dan Fox, oh Nikoko. Allez, on va toucher Nico, les amis. Elle est là, Nanou, ou pas? Attends, il faut faire l'énigme du père Fourasse pour Love Parish, les amis. Et oui, les amis, mais on a gagné, les amis. On a gagné. On a gagné. Ça, c'est important. Quand je ne crois plus à mes rêves. Se lève. Oh non non non. Et quand j'oublie ce que je dois. Oh la merde. Vas-y, on se dépêche. Allez les amis, let's go, let's go, let's go. L'énigme du Perforas, les amis. L'énigme du Perforas. Let's go. L'énigme, parce qu'on est en train de louper des trucs de ouf. On est en train de. Elle a déjà commencé. Mais elle a commencé comme ça direct. Attends, l'énigme du Perforas, les amis. L'énigme du Perforas. Les amis, je suis en train de perdre quelque chose. J'ai rien, mais je regarde. Oh là, attends, je vais regarder Nanou. Je vais regarder. Attends, là, tu m'as spoilé. Tu m'as spoilé l'énigme, mais je vais regarder ce que je suis en train de louper là quand même. Attends, je vais quand même mettre un œil sur Nanou quand même. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. Elle s'est déguisée en garçon, je la connais. Je la connais. Je suis sûr qu'elle nous a fait un drachmier. L'énigme express, les amis. L'énigme express, mais attention, c'est quand même important. Du coup, on offrira. Oh là, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Ah, je suis dans les pubs. Bon, allez, les énigmes. L'énigme du Perforas, les amis. L'énigme du Perforas. Hop. Allez, Perforas, les amis, énigme. Quand
Les amis, je suis le Père Fouras, voici l'énigme que je vous propose ce soir. Allez, c'est parti. Plutôt jolie, bien maquillée, elle orne aussi le doigt blessé. Qu'elle soit de cire ou bien de son, son visage est sans expression. Qui est-elle? La poupée Ardan Fox, les amis. La poupée aussi pour Nico. Let's go. Bien joué, les gars. Let's go, les amis. On va finir ce Fort Boyard sur un raid pour Nano, les amis. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour être venu dans ces circonstances un peu incroyables. Merci, les gars. Un grand GG à vous. Let's go chez Nano. Et merci beaucoup. Salut, les amis. À bientôt. C'est la marque, c'est laquelle? Black Hole. Ouais. Merci. En vrai, la 3060 Ti,